Bonjour à tous, c'est Gen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur les news de la partie 2 de Invitation des Alizés, donc c'est bah, en gros de la 1.4. Et donc là on va avoir les news donc avec le nouveau portail qui va arriver, donc vous voyez Tartaglia bien entendu, avec les nouveaux événements qui vont arriver, donc il y en a un qui est déjà arrivé mais bon je vais vous parler un petit peu de la suite. Et donc voilà. Donc, le premier événement qui est déjà arrivé, c'est le combat des chefs. Donc, il a commencé le 2 avril et il finira le 12 avril. Faut être niveau d'aventure 20 pour pouvoir le faire. Et en gros, cet événement consiste à combattre des boss ou des mobs, quoi, pour gagner des primogèmes et d'autres récompenses. Donc, plutôt sympa comme événement. Mais bon, moi c'est pas mon kiff de faire juste du fight. Ensuite, un événement extrêmement intéressant, le désir de l'océanide. Pourquoi il est intéressant? Tout simplement déjà parce qu'on va pouvoir gagner des primogèmes, donc ça c'est plutôt cool. En plus on va pouvoir gagner un petit pet, donc il y en a beaucoup qui me demandaient comment t'as eu la boule bleue que t'as à côté de toi, etc. Et ben là on va pouvoir avoir le vous voyez, c'est juste ici là, je vous zoome, le petit boss océanide mais en pet, donc ça c'est super stylé. Et des cœurs de l'océan qui vont nous permettre de récupérer des récompenses. Cet événement va commencer le 9 avril, donc c'est la semaine prochaine, et va durer jusqu'au 16 avril, donc c'est un événement très court. Donc il consistera à battre l'océanide plusieurs fois pour gagner des récompenses, mais cet océanide aura un gameplay un petit peu différent. Ce gameplay, il va être différent car c'est lui qui va vous attaquer directement. Donc on va passer à l'événement d'après. Quête Archon, chapitre 1, acte 4. Donc en gros il y aura la suite des quêtes d'Archon, donc ça c'est grave bien, c'est la suite de l'histoire du jeu. Donc ça c'est génial, à partir du 12 avril à 4h du matin, pour une durée permanente bien entendu. Ensuite il y aura aussi le nouveau portail, donc vœux à Dieu au nord. Donc ce nouveau portail nous fera revenir Tartaglia, donc un personnage 5 étoiles hydro extrêmement stylé que moi j'aime. Nous fera aussi arriver un nouveau personnage 4 étoiles, Rosaria, un personnage cryo, dont je vous montrerai le gameplay juste après. Et Barbara et Fischl. Donc ce portail arrivera le 6 avril. Donc le 6 avril c'est en même temps que je crois, ah non, juste avant l'événement océanique. Donc ce portail arrivera. Donc voilà. Il y aura aussi un nouveau portail arme. On aura une arme de la voûte d'azur. Enfin vous voyez, le portail est plutôt intéressant. Moi je m'intéresse pas trop au portail arme parce que je suis free to play. Donc les portails armes c'est pas le truc le plus rentable. Donc bien entendu, accompagné de ce portail, il y aura essayer c'est adopter. Donc on pourra essayer les différents personnages. Ensuite il y aura aussi l'événement à partir du 16 avril, merveilleuse marchandise. Vous savez, c'est l'événement où il faut aller voir le mec qui nous donne les cadeaux contre des champignons ou des choses comme ça. Et donc on aura là-dedans des primogèmes, des moras, etc. Donc au niveau du portail, on va avoir, donc comme je vous l'ai dit, Tartaglia, Rosaria, Fischl et Barbara. Donc Tartaglia sera en bannière et sera en rate up, ainsi que Rosaria, etc. Rosaria, donc voilà Rosaria son gameplay. Donc vous pouvez la voir directement sur le site de MiYoYo que je vous mettrai en description. Et donc voilà. Donc ça c'est son attaque normale. Normal. Ça c'est son attaque, son aptitude, sa première aptitude. Donc vous voyez, elle se téléporte derrière l'autre et elle congèle. Et ça c'est son ulti, donc moi que je trouve vraiment stylé, c'est-à-dire elle plante un bâton au sol et après elle continue de faire des dégâts cryo en permanence. Donc ça c'est très très stylé et ça a l'air très très fort. Donc j'invoquerai surtout pour Rosaria moi si j'invoque, et donc si je l'ai, je vous ferai un petit build dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Bref, c'était Gen, prenez soin de vous, je vous dis ciao.